Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en direct sur Bâti Radio. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur notre antenne. Nous sommes toujours au salon Interclimat à la Porte de Versailles à Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Simonessa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Tech Control. C'est ça, président de Tech Control. Pouvez-vous justement nous présenter Tech Control, votre entreprise ? Alors, Tech Control est une entreprise qui a été créée en 2011. Et nous sommes intégrateurs fabricants de systèmes pour le confort du bâtiment et des solutions pour la gestion de l'eau. Et comment se porte l'activité de votre entreprise depuis 2011 du coup ? Elle se porte bien, elle progresse. On développe des nouveaux produits ou des nouveaux concepts pour les mettre sur le marché régulièrement. Donc là, notamment, aujourd'hui, nous proposons des solutions pour la production d'eau chaude sanitaire, soit à base d'électricité, soit gaz condensation. Très bien. Et on va vers le mixte énergétique puisque ces produits sont compatibles et on vend en système avec de la production énergie solaire, photovoltaïque entre autres par exemple, pour aller sur nos chauffe-eau électriques, ce qui fait qu'on est sur des chauffe-eau hybrides. D'accord. Et ça, ça se fait de plus en plus, des chauffe-eau hybrides ? Ça se développe de plus en plus. Aujourd'hui, en plus, on est valorisable dans le moteur de calcul de la RT 2012 hier et demain de la RE 2020, puisque les nouveaux moteurs arrivant et intégrant nos produits, on va pouvoir modéliser nos chauffe-eau électriques hybrides PV dans le neuf, par exemple. Et quels sont finalement les projets phares en ce moment, les innovations dans votre entreprise ? Alors celui-ci est une innovation très forte puisqu'il y a de la connectivité avec ce produit. On rend le client maître de sa consommation et on lui donne de l'information pour qu'il puisse corriger ou en tout cas optimiser ses consommations. Et puis on vient non plus proposer un produit mais plutôt un concept ou un système, puisqu'on complète ce produit la partie production photovoltaïque pour d'abord l'eau chaude, et donc on utilise l'eau chaude comme une batterie verte, par exemple, mais on vient compléter ce champ PV pour de l'autoconsommation sur le reste des usages de la maison. Donc d'une idée de production d'eau chaude sanitaire, eh bien, on va venir sur le contrôle de la partie énergétique globale de la maison. Donc ça, c'est vraiment les points forts d'innovation du moment. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes, que vous venez à cet événement ? Ça fait plusieurs années, c'est ce que vous me disiez. On participe toujours à Interclimat on est content d'ailleurs que l'événement puisse redémarrer. Ça se passe bien pour vous cette année ? Toujours, très bien, oui. Très belle influence hier pour une première journée, c'est rare, surtout un lundi. C'est vrai. Et puis aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. On est midi, on a déjà vu beaucoup de monde. Et on est très, très content et l'affluence est bonne. Et quelles sont vos attentes par rapport à ce salon ? Nous, notre attente, c'est évidemment de pouvoir exposer et proposer et présenter nos nouveautés, nos nouveaux produits et même les anciens qui fonctionnent bien ou qui viennent cohabiter avec les nouveaux. Auprès de quoi ? De nos clients, distributeurs, installateurs, prescripteurs aussi. Donc voilà, pour que vraiment on fasse connaître le plus possible. Vous avez combien de clients à peu près, comme vous nous dites, clients ? Est-ce que vous avez un chiffre à communiquer ou Oui, alors on a un peu plus de 2000 comptes clients ouverts aujourd'hui. D'accord. Et on travaille sur tout le territoire français et un petit peu la Belgique. Un petit peu en Belgique ? Oui. Ok, mais surtout sur le territoire métropolitain ? Essentiellement, oui. D'accord, pas dans les Outre-mer ? On commence, on a beaucoup de demandes. Oui, parce que l'ouverture vers le solaire avec notre combinaison là sur la production d'eau chaude sanitaire ouvre de belles perspectives sur l'outre-mer. D'accord. Mais c'est un beau marché quand même. Tout à fait. Merci beaucoup Gilles Simonessa. Vous êtes président de Tech Control. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Merci, c'était un plaisir. Un plaisir également. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Porte de Versailles, en direct sur Bâti Radio.